Calice, l'atelier, épisode 2. Bloup, 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 bloup. Le squelette. Aujourd'hui, vous allez assister à la construction d'un squelette de marionnette. Et pour cela, il nous faut du balsa, du styrodur, du fil d'aluminium, une pince coupante, du fil de coton, de la colle époxy, de la mousse, de la néoprène. On mélange le tout. Et hop! Mais là, on a brûlé quelques étapes. Utilisons les progrès de la science contemporaine pour créer un bassin et une cage thoracique à petite échelle. Et pour cela, il nous faut un donneur humain. Vivant. Sinon, vous pouvez utiliser du balsa ou du styrodur, c'est moins douloureux. Pour le reste des os, il vous faudra asservir une armée de petites mains pour qu'ils torsadent le fil d'aluminium à votre place. Ensuite, ordonnez-leur d'enrouler le tout de fil de coton afin de le protéger. Assemblez le squelette. Une fois le squelette assemblé, il faut lui greffer de la chair. Et pour cela, rien de tel que de disséquer une petite grenouille. Non ! Et voilà, votre squelette de marionnette articulée est prêt.